a 17 participants qui viennent des 9 pays d'Afrique. C'est une compétition saine. Donc, on essaie de les cultiver ça au départ hein, en disant que tout le monde sort gagnant. Donc, c'est ce qui fait que la compétition, elle est stimulante, elle est saine. Le projet gagnant va voir quel budget ça va représenter et puis on va regarder avec la Fondation Pierre Fabre, on va regarder avec d'autres partenaires, donc on sera là pour les soutenir. Et l'autre aspect qui est important, c'est que le projet gagnant, on aide à le vendre aussi donc au pays dans lequel le problème a été ciblé. Ce sont vraiment des ambassadeurs et dans les années à venir, ce que nous espérons, qu'il y ait beaucoup de personnes comme ça qui puissent influer sur les politiques nationales de santé digitale dans ces différents pays-là, de manière à construire des systèmes de santé digitale qui puissent être capables d'améliorer dans la durée, de façon vraiment durable, les systèmes de santé nationaux.